précédemment dans Pokémon Platine, Nuzlocke Random. Notre valeureux dresseur traversa le Mont Couronné pour atterrir à Unionpolis. Arrivé là-bas, il donna le meilleur surnom possible à un Evoli qu'un dresseur lui avait donné. Non, je suis sérieux, la vanne est toujours aussi drôle. Il renvoya rapidement Chimera, la championne d'arène, au cimetière. Il partant ensuite pour Bonville afin d'y explorer les ruines avant de partir pour la ville de la prochaine arène, Voilaroc. Quel destin attend notre dresseur dans cet épisode? Vous le saurez maintenant dans Pokémon Platine Nuzlocke Random épisode 6. Je sais pertinemment ce que vous allez dire. Oui, ça fait depuis fin septembre qu'il n'y a pas eu d'épisode de cette série sur ma chaîne. Ça fait aussi depuis pas mal de temps qu'il n'y a pas eu de vidéo tout court sur ma chaîne, ça doit remonter à 3 mois. Alors, avant que vous vous extasiez, non, je n'ai pas abandonné ma chaîne ni quoi que ce soit, c'est juste qu'à côté, j'avais pas le temps. Voilà, j'avais trouvé du taf, donc j'avais pas forcément de temps dans ma vie privée. Et quand j'avais un minimum de temps, je le consacrais à Biohazard Trash, qui est une chaîne YouTube communautaire autour de Resident Evil en Europe. Mais au Japon, on dit Biohazard, on a ce petit côté Jap assez rigolo. Et en gros, certains soirs, j'étais en stream sur des jeux de la série Biohazard, c'était très cool. Et vu qu'en plus cette année c'est les 25 ans de la série, il y a beaucoup de streams, beaucoup d'activités. Et il faudra que je pense à faire un montage de best-of des différents lives que j'ai fait. Mais sinon voilà, c'était pour vous dire, à peu près vous tenir au courant. Parce que c'est vrai que, à part les derniers épisodes, une vidéo master je crois, pourtant bon, les vidéos master ça m'intéresse plus tant que ça. Une série Minecraft que j'avais fait avec des potes mais que j'avais totalement baisé le son, mais d'une puissance, c'est inaudible, vraiment. J'ai même pas terminé de poster d'ailleurs, il me reste deux épisodes à monter, j'ai une de ces flemmes. Non, j'avais pas grand chose d'autre à faire. Alors, bon, au niveau de toute la petite équipe, je suis content de les retrouver. Alors, résumé de les derniers épisodes. Je me souviens que Route 209, on a vu un Pokémon qui était pas ouf. Que j'avais pas attrapé de Pokémon dans la tour, parce que je pensais que c'était aussi considéré comme la route 209. Ruine Bonville, il n'y avait pas eu des choses ouf, je crois. Je vais aller voir dans le PC. Oh non, bien sûr, on n'a toujours pas eu de mort, mais bon, est-ce que c'est forcément important? Ah, ouais, c'est vrai que... Putain, Big Flo Evoli. Ah oui, je l'avais appelé T-Nul. Ah oui, mais rentre. Mais bon, au moins, si j'ai un manque dans l'équipe, j'ai déjà des bons remplaçants. Bon, après, bien sûr, c'est que si un perso dans mon équipe meurt, alors qu'ils sont au niveau 50 et que les autres dans les boîtes sont au niveau 20, bon, ça va être chiant. Bon, alors, route 210, on n'avait pas attrapé de Pokémon. On a toujours Roger devant. Donc, ça va être sympathique. Allez, Pokémon de zone, c'est parti. Ok. Alors... Merde, j'appuie sur... Ok. Alors... Alors, on va y avoir un petit souci, là, c'est que... Attends. Réfléchis. Fonctionne aussi... Fonctionne particulièrement bien sur les Pokémon ou insectes. Krabby de type O, Big Brain Activated, activé. Allez hop! Je me souviens à l'époque quand j'étais gamin, j'adorais attraper Palkia avec la filet ball. Ouais! On a un Krabby! Bon, il va pas forcément me servir, mais bon. Krabby! Pokémon Doucrab! Hauteur 0,4 m, poids 6,5 kg. Il crosse son terrier sur des plages sablonneuses. Ses pinces repoussent si on les brise. Ah là là. Bon, allez. C'est parti, petit surnom des familles. Radas! Parce que c'est une vraie pince! C'est peut-être pour ça que j'ai vraiment du mal à me trouver des compagnons. Bon, d'ailleurs aussi, pour parler vite fait de l'épisode, j'ai remarqué quand même que 1h30 d'épisode, c'est quand même énorme. Donc je pense que je vais faire, c'est très simple, c'est que je vais couper les moments chiants. Bon là, le début, on va garder bien sûr, mais là, par la suite, je vais couper pour que ce soit un petit peu plus condensé.
puis au moins le let's play avance. Et voilà. Au moins je me retrouve pas avec 2 heures de rush, je me retrouve pas avec 2 heures à upload, et vous vous retrouvez pas avec 2 heures à regarder. Donc, on est pas mal. Alors, merde, pas, non, pas dépasser objet, je suis con, j'ai toujours été con. Alors, Radas, qu'est-ce que tu nous proposes? Pudig, d'accord. Tu es inutile. Tu es inutile. Inutile. Et la quoi après en move? Double dard, dernier recours, flamme, je m'en t'es claqué au sol. Même t'es en dessous du sol. Genre vraiment. Ah oui! Il y a aussi un truc que j'avais totalement oublié. Et ça que je me devais quand même de vous montrer, parce que dans le dernier épisode, on m'a dit « Ouais, mais t'as pas été fort, les concours, tout ça, les concours, c'est bien. » Bon alors, je vais quand même aller faire l'effort de faire un concours pour vous montrer, mais les concours, ça a jamais été ma tasse de thé, hein, très clairement. D'ailleurs, il paraîtrait que cette année, il y aura un remake 4G. Bon, je suis pas le genre de personne à m'emballer sur des rumeurs à chaque fois, mais bon... S'il y a remake, j'espère que les concours seront un petit peu mieux faits, parce que j'ai pas des bons souvenirs des concours. Je crois même que dans le remake 3G, j'ai pas beaucoup fait de concours. Et bon, on va quand même faire l'effort, hein. Au moins, ça rajoute un peu d'épisodes, vous êtes contents. De toute façon, moi derrière, je touche pas d'argent, donc qu'est-ce qu'on s'en fout? Ouais. Ouais, offre-moi des peaufines. Allez. Concours normal, intelligent, parce que je suis quelqu'un de très intelligent. Attends. Résumé, parce que... Il y a résumé de concours. Qui c'est qui a le plus d'intelligence? Oh, Chungus avec intelligence jugement, c'est parti. Le concours du jugement divin. Le concours d'intelligence catégorie normale va commencer. Je suis Denis, enchanté, et je serai le faux animateur et juge. Les résultats seront annoncés à la fin, patience. Laissez-moi vous présenter nos participants. Voici Olga. Bon. Vital, Isabelle. Qui? Voilà. Et je me souviens bien, il faut habiller notre Pokémon, si je crois bien. Ah oui, le naturel. Oh putain. Mais Chungus, il est déjà très naturel. Et attends, j'ai pas d'autre... La moustache du jugement. Oui. Ah oui, puis bien sûr, le drapeau de la suprématie du Chungus. Puis, attends, voilà. Voilà, là, on a un Chungus parfait. Chungus est parfait, là. C'est quoi, ça? Ah oui. Voilà, là, on est au naturel. Là, c'est Chungus. Bon, allez. Chungus, il est parfait, là. Je me souviens absolument plus des concours, je crois qu'il y a une histoire d'attaque ou je ne sais quoi. Avec Rapido. Ça me rappelle cette obscure vidéo sur Sharpedo. Ouais. Ok. Ah d'accord, deux cœurs. Chungus attaque jugement. Attends, faut faire quoi, là? Ok. Ok. Oh, mais moi, je vais les bourrer, ils vont rien comprendre, hein. Merde.
Ouais, je suis pas très fort. Ok. Très bien. Mais j'ai appuyé. Ok. Comment ça, je lui ai raté? On s'amuse, hein, c'est très le fun. Des preuves de comédie. Mais vous comprenez, c'est pour ça que je voulais pas faire ça à la base. C'est que c'est chiant. Bah... Attends. On est sur un concours d'intelligence. Donc par conséquent, je dois utiliser une attaque intelligente. Mais deux cœurs! J'ai fait la putain d'attaque jugement art. Ah, je peux plus utiliser. D'accord. Ah, canicule, c'est pas son premier plus 2. J'oublie que c'est vrai qu'il a canicule, ce con. Oh mon dieu, on meurt de chaud! Ah. Jugement. Ah, genre moi il a l'air d'aimer bien donc. Ah. Skip un peu parce que c'est pas que je m'en bats les couilles, mais je m'en bats un peu les couilles. Donc je passe en premier, hein. Voilà, c'est pas ouf, très clairement. Hein, j'ai connu de meilleurs moments de jeux vidéo dans ma vie. Ouais. Ok. Ok. Ouais, bravo. Bon, c'est bon, on est à Bonville. Voilà. Les concours, c'est pas ouf. On va continuer à expéter tout le monde. Ça, il va y avoir une coupure parce que, bon, autant expé, quoi. Non, mais d'accord. Très bien. Ok, 30, ça me fait rien. J'aurais pu avoir un spiritombe. C'est dommage. Bon. Oh merde! On aurait pu avoir un gobou. Je suis un peu dégoûté d'avoir chopé un Krabby, je vais pas vous mentir. Jojomento. Au revoir petit gobou. Si Eternal Stay voit cet épisode, il va me trucider. Voilà, niveau 35. D'ailleurs, Chungus qui évolue vers le niveau 40. Coucou. Ok. Ok. Très bien. Premier légendaire. Premier légendaire. Jirachi type Asiepsi. Je sais pas ce qu'il peut faire. Ah, il peut faire ça. Il peut faire lance-flamme. Ce qui est assez problématique en soi. Emile, tu peux faire quoi déjà? On va lancer Emile, hein. Et Emile... C'est dommage, on aurait pu avoir un Jirachi quand même, hein. Un peu dommage. Alors... Alors, j'ai un peu XP se planter niveau 35, c'est cool. Alors, l'option, on va le prendre. Je vais le donner à Emile.
aussi un truc que je vais faire, c'est que pour que Chungus soit encore plus puissant, on va lui donner la plaque esprit. Je vais mettre Roger comme ça et Emile devant. Pourquoi? C'est très simple, il y a un combat double qui nous attend. Ah, il y a un autre combat double là-bas. D'accord. Par pitié, que ce soit pas compliqué. Coucou. Ok! Ok! Voilà, Pijako est mort, Emile niveau 32. Sifflerbe! Attends, Sifflerbe, ça c'est pour endormir! 55 de précision, non, 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 non! Non mais. Oh là là, mais. Voilà. Voilà, pouf! Allez, un autre combat double, c'est parti! Qu'est-ce que vous allez m'envoyer? Non, je suis assez safe. Alors après, ça dépend. Ils peuvent avoir des attaques. Je peux faire bizarre. Alors pour moi, le plus dangereux, ça serait Lanterne. Ah, d'accord, non, mais très bien. Hein. Pas de soucis. Je vais aussi endormir Shunity. Voilà. Ah bah c'est pas trop tôt. Putain, j'allais dire... Oh, super, un Armaldo. Oh, génial. Ok. Un Kenotor. Ok. Ok. Pardon. Allez, qu'est-ce que tu vas m'envoyer? Un E9, ok. Bizarre, on n'en parle plus. Un Ossatuaire. Bizarre, on n'en parle plus. Un problème dans la vie? Blizzard, on n'en parle plus. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici, c'est un resto de combat, je crois. Oui, c'est un resto de combat. Un dauphin. Poudre dodo. Toujours poudre dodo. Voilà. Au moins, on est sûr, il n'y a pas de souci. Ah oui, putain. Je me souviens de lui. Dans le jeu. Allez hop, c'est pas sur Yves de toute façon. Hein. On a les pouvoirs divins avec nous. J'adore les endormir. Je suis vraiment le gros connard qui joue au Axe. Alors, est-ce qu'ici c'est une nouvelle route? C'est une nouvelle route! Nouvelle route, 10 nouveaux Pokémon! Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, c'est bien un gros drive! Alors par contre, du fait de son faible niveau, ça va être compliqué. Moi, je sais pas combien il peut tenir. Je vais juste spammer les Pokéballs, hein. Trempette. Un peu la loose, non? Ah mais je peux faire demi-tour, ça va pas lui faire masse dégâts, hein. Ouais, Chungus. En fait, j'aimerais pas le tuer, c'est pour ça. Ah bah, c'est bon. Les données de Gros Drift sont ajoutées au Pokédex. Gros Drift, Pokémon ballon, des types spectre et vol, hauteur 1m2, poids 15 kg. Des nuées de Gros Drift dérivent dans le ciel au crépuscule, ils disparaissent dès qu'on les voit.
ce qui est assez glauque. Alors, pourquoi Balaboum? Parce qu'en fait, c'est un ballon. Voilà, c'est un ballon. Mais il fait Badaboum. Oh putain. Alors, Balaboum. Modeste, ok. Ah, oh. Alors attendez, il a la nature modeste. Donc son attaque spéciale est très forte, ça c'est cool. Il a Corsin. C'est cool. Au vu de ses stats. Alors en fait, il a une bonne nature, de très bonnes stats, un très bon talent, des attaques de merde. Ça va pas. Je suis désolé Balaboum, t'es recalé. Moi je comptais te jouer Balombre. Enfin, même si on est en random, donc c'est un peu débile de dire ça, mais bon. Bon, on va faire ce combat. Ok. Un Looklass. Looklass, je dois pouvoir gérer, non? Merde, je suis con. Ah ouais, il va m'apprendre représailles, voilà. Ah oui. Il y a ça. Voilà. Bon, rappel, ça va pas me servir beaucoup, hein. On se doute bien. Ouais, le karatéka. Un Opali, ok. Ok, rejet niveau 35, c'est cool. Nidoqueen, 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 type sol. Enfin, c'est type sol. Opali, Opali, mais... En fait, j'y pense, mais j'ai pas de... Ouais, j'ai lui, là, qui y est. J'ai Jungle, là. Donc, niveau multi-exp, je vais l'enlever, ça sert pas à grand-chose. Tiens, je me sens bien de jouer sous Cabliette. En plus, attends, sous Cabliette, il a glissade, je crois. Ah non, oui, oui, la cuvette. Donc il a une région de PV. Oh! Merde, j'ai oublié de lire même. Bon, les plaques d'Arcus après, hein, c'est pas... Pas non plus super intéressant à lire. Bon. Voilà, je récupère de la vie avec la pluie, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Une hyper potion, super. Dis donc, il y en a des trucs à couper ici. Ça doit être un raccourci. C'est un raccourci. Un raccourci, on s'en tape. Moi, ce que je vois, c'est du combat. Misdibule. Toujours pas type fait, donc il est juste type acier. Ouais. Un petit séisme. La pluie continue de tomber. Restore des PV grâce à cuvette. Un lagron. Bon. Voilà. Les petits type glace psy. Bon allez Michonne, ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Bien fait, hein. Bien fait, bien fait. Laporeille, d'accord. Laporeille, c'est un Pokémon assez commun, donc en partie normale, ça m'étonnerait pas d'en croiser ici. Alors, faut pas oublier cet outil magique. Blindalice. Ok. Bon, Blindalice de base, il a pas d'attaque, mais vu qu'on en random, on sait jamais.
Ah, c'est typiquement le genre de route, si t'as pas coupe, t'es un peu dans la merde. Et les dresseurs, les joggers, des moments, j'ai les souvenirs qu'on les a comptés. C'était Boué, Grayena, d'accord. Alors. Voilà, comme ça, ça se fait. Voilà. Comme ça, on n'a pas de soucis. Moi, je me dis toujours, oh, lui, je peux avoir des problèmes à cause de son type, mais c'est vrai que vu qu'on est en random. Bon, au moins, ça s'est fait. On fait au singe, d'accord. Bah, on va se faire, hein. Feu faux rêve. Pas falloir faire grand chose. Quoique, non, il a pas lévitation. Donc, bon, à la limite, hein, comme ça. Ouais, non. Non, pas reflet, pas cette strat de pute. Lucas. Hey Kiki, tu vas tenter ta chance à l'arène. Piou, rien n'arrête ton ascension. Moi, bah, je suis allé faire un tour au casino et... Ouais, bien sûr, je continue à travailler à mon Pokédex, mais... Enfin, bref, continue sur ta lancée. Sur le ring, pareil à un loup de mer, les flots ont façonné mon âme. Carrière, putain, je peux pas parler comme ça, je peux pas chantonner comme ça. Bang, c'est moi, Lovis, le teigneux. Bang, c'est moi, Lovis, le teigneux. Mais bon. Ils ont été faits champions d'arène, tout ça. Je suis champion d'arène, expert en Pokémon, en catch et tout ça. Lovis, le teigneux de Verchamp, on se reverra. Alors, bonne chance à l'arène. Alors, la strat pour l'arène. Bah y'en a pas. On va y aller comme ça. Hein. Pas spécialement de strat, hein, vu que c'est tout random. Le Pokémon de type combat. Ah oui, je me suis... Putain, c'est... Bon, un peu d'accélération, ça va pas... Ok. Allez, c'est parti. Ok, bon. Canicule. Ok, Crifolé, non mais très bien. Ouais, c'est vrai que... Non mais t'es pas drôle. T'es pas drôle, arrête. Putain... Vous imaginez, j'aurais perdu Chungus à cause de ces conneries. Normalement, la capacité est forte, c'est vraiment de la merde. Hein. Ok, gros ray. Je suis con, hein. j'ai la plaque psy. Lockpin. Lockpin, on renvoie, je te plante. Monistar, ok. En sol. Non mais c'est bien aussi, hein. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Merde. Je sais pas quoi faire, j'ai pas envie de crever.
Alors, elle n'a peut-être pas compris ce qui s'est passé, mais en gros, il avait prélèvement du destin. Prélèvement du destin, je pouvais crever à n'importe quel moment, en fait, si je le mettais KO. Donc, de ce fait-là, j'osais rien faire. Bon, j'ai de quoi soigner mes pokés. Non, mais... Quoi, Tox? Bah, c'est très simple. Jugement. Jojo Mento. Voilà. Ouais, comme ça. Parce que c'est rigolo. Moi, j'aime beaucoup quand c'est la rigodrolance. Que je dis ne veut rien dire. Ouais, non mais... Oh. Non mais... Oh. Voilà, on fait comme ça. Voilà, tac, combat. Nidoqueen. Jugement. On s'embête pas. Ça c'est parfait. Alors, on va s'attaquer à la championne. Super. Allez, c'est parti. Salut, c'est un plaisir de te rencontrer. Je suis Mélina, le champion de cette arène. Je ne sais pas ce que c'est qu'être forte, ni comment je suis devenu champion d'arène. Ouais, je suis plus championne d'arène plutôt. En 2021, ce serait peut-être temps de... je vais arrêter. Mais je ferai de mon mieux pour faire honneur à mon rang. Je prends le combat très au sérieux, c'est quand tu veux. Le combat peut être autant facile que difficile, ça dépend. Il va être difficile. Ah mais non, attends, bah j'ai canicule. Régis est un Pokémon assez lent dans Slam. Oula. Ça signifie quand même quelque chose, c'est que Chungus est un bulk de bâtard. Parce que pour encaisser un bélier après un dans Slam, c'est un boss. Ouais. On va éviter, hein. Caninos, ouais. Alors oui, je sais très bien, les combats sont toujours rapides. Mais faut pas oublier quelque chose, et pour que j'utilise l'accélération à chaque fois, c'est parce que en 4G, bah, surtout dans Diamant Perle Platine, les combats sont très lents. Donc, en soi, c'est pas non plus une mauvaise chose. Mais, voilà, à part Aregistil qui avait des stats vraiment nul à chier, et aussi parce que j'ai beaucoup de niveaux d'avance, ouais, ça va. Alors, le badge pavé, c'est pour distinguer ceux qui font des énormes rédactions, juste pour dire ok. Faut vraiment que j'arrête de me remettre en question au sujet de mes choix dans ma vie. Alors, je pourrais utiliser la compétence vol, ça c'est cool. Mais encore faut-il que j'ai un Pokémon qui est vol. Ouais, alors, 60 c'est Vampipoing, d'accord. Ouais, c'est cool, Vampipoing. Oh, question. Hé, hey, Kiki, écoute, j'ai besoin de toi. Des types de la Team Galaxy m'ont pris mon Pokédex en refusant de me le rendre. Oh, c'est des méchants. Aide-moi à la récupérer.
Je t'attendrai devant le hangar, à tout de suite. Salut Geeky, tu veux bien m'aider? Tu te souviens des types de la Team Galaxy? Ceux qui ont essayé de voler les travaux du professeur Sorbi à Felicity? Félicité, putain. Je suis tombé sur eux tout à l'heure et ils m'ont volé mon Pokédex. Faisons équipe pour les affronter. Non. Oui. Toi et tes Pokémon, faisons équipe avec moi et mes Pokémon. Notre duo de rêve ne peut pas perdre, unis comme les doigts de la main. Je ne laisserai pas ces criminels s'en tirer à si bon compte. La niaiserie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme Pokémon? J'essaie de deviner par l'écrit. Electek? Ah, Elector! Ah! Ouais, je peux le faire. Je peux le faire. Il l'a fait, Emile le sauveur. Chungus rugissement. Mais nique ta mère, jamais de la vie. Ok. Allez. Oh là, Obali meurt. Ça va, tant que c'est pas un de nos Pokémon qui meurt, j'ai envie de te dire. Voilà. J'avoue que le lecteur m'a fait un peu peur. Bon, Team Galaxy, c'est pas que je m'en branle, mais je m'en branle de leur dialogue. Belladonis, plus aucune crainte à avoir, je suis là. J'ai entendu dire que des enfants se battaient contre Team Galaxy. J'aurais dû me douter que c'était vous. Ouais, ils avaient un Elector. Eh, c'est le cinglé de félicité. Vous osez vous exprimer ainsi en ma présence? Quelle grossièreté! Oh, désolé. J'étais dégoûté que Team Galaxy m'ait piqué mon Pokédex. J'ai parlé sans réfléchir. Je vous laisse, méfiez-vous de la Team Galaxy. Ouais. Aucune importance. Ce qui m'inquiète par contre, c'est le comportement de la Team Galaxy. Tenter de dépouiller des enfants, quelle bassesse! Décidément, il faut de bien piètres criminels. Non mais il faut toujours commencer en bas de l'échelle, hein. Je sais pas, on a tous déjà volé la sucette d'un gosse pour déconner. On l'a tous déjà fait, rassurez-moi. Mais la médiocrité de leurs exactions ne les rend que plus préoccupants. Il faut examiner le hangar, suis-moi, nous allons y jeter un coup d'œil. C'est fermé, sans la clé, ouais, il nous faut la clé. La clé, on l'aura pas maintenant. Ah! Apparemment, Team Galaxy va aller vers Chambon. Et là, derrière toi, un carapuce. Méga fouet. Un colomar. Méga fouet. Ça, il a envoyé quoi? Entei! Jugement. Chungus, c'est... J'ai envie de dire, en fait, Chungus, c'est le dieu de ce let's play. Enfin, c'est le dieu de ce Nuzlocke random, en fait. Quand il va évoluer en Wailmer, bon, il va... Donc, quand il va évoluer en Wailord, il va perdre de la vitesse, mais... Il sera fort. Alors, par contre, vu qu'on est dans une nouvelle zone... Bien évidemment... Merde, je fais des conneries. Qui dit nouvelle zone, dit nouveau Pokémon. Qu'est-ce que ça va être? Baligno. Appuie sur le baligno. Oh, bah des super balles, hein. Voilà, pff. Le sommet de sa tête... Attends. Baligno, Pokémon champignon de type plante, hauteur 0,4 mètres, poids 4,5 kg. Le sommet de sa tête libère des spores empoisonnés, il est dangereux de les inhaler. Non, tu crois? Un truc toxique. Vraiment ultra toxique. On va l'appeler Fortnite. Ah, la blague est facile, je sais, mais moi ça me fait rire. L'important c'est que je rigole, non? Même si mes blagues sont pas ouf, tant que je rigole, c'est plus important, j'ai envie de dire. Bon, même si, bon, si à un moment il y a 50 personnes qui disent que je suis pas drôle, bon. Moi, je serais obligé d'admettre que, ok, je suis peut-être pas aussi fort en humour que je ne le crois. Alors, Fortnite. Lâche, ça lui va énormément bien. Mauvais rêve, réduit le PV d'un Pokémon endormi, d'accord, c'est le talent de Darkrai.
Ok, alors Fortnite, tu vas rester au fond de la box. Me semble qu'ici, c'est une nouvelle zone. Grotte ruine maniaque, techniquement, c'est une nouvelle zone. Allombré. Super. Bon, bah... Par contre, tu vas te calmer tout de suite. Le truc, c'est qu'en fait, je peux le buter, parce que j'ai trop de niveau d'écart. Voilà. Lambré, Pokémon jovial de type eau plante, hauteur 1m2, poids 32,5 kg. C'est un mauvais plaisantin. Quand il repère un pêcheur, il tire sur sa ligne pour le déranger. Oh, c'est un bâtard! L'ombre de ton yinche. L'ombre de ton yinche. Alors, lui c'est très simple en fait, plus on récupère de Zarbi, qu'on complète le Zarbidex, et en fait, il va construire un tunnel. Et en gros, tout simplement, à un moment on aura le Zarbi point d'exclamation et point d'interrogation. Bon, Roger, bute-le. Alors, l'ombre de ton yinche. Foufou de nature, absorbe volt. C'est-à-dire qu'il est une immunité. Intéressant. En vrai, ça peut être pas mal. Parce qu'il est une immunité électrique. Notre Dieu! Le Dieu! Le Dieu! Ah là, putain, yes! Bon, par contre, ouais, il est énorme. Aïe 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 aïe! Ça c'est Chungus! Bon, maintenant faudrait que je le renomme en Big Chungus! Parce qu'il est vraiment ultra big! Ah! C'est une nouvelle zone ça! Tin tin ta da ta ta. Bon alors, y'a qui en poké? Attends. Ah non, c'est un Emile! Putain! Bon bah dommage. Combat de Emile. Ça, c'est un restaurant de combat, je crois. Voilà, c'est un resto de combat. Ok. Ah bah là c'est chaud par contre. Ça va, c'est pas compliqué non plus quoi. Attends. Oh. Oh putain. Ok, non mais Mewtwo, très bien, j'avais dit, oh il y a pas assez de légendaire, bah voilà, me l'a servi.
J'ai intérêt à l'endormir. Voilà. Comme ça, toi, tu vas te faire foutre. Qu'est-ce qui est bon contre toi? J'ai pas de... Ah si, ah, courage, hein. Non mais très bien, Mewtwo, hein. Petit spatio rift sur lui. Un aura sphère sur le pain. Puppy Lord, d'accord. L'euphorie, poudre dodo. Aura sphère. Voilà. Je suis gouré, chef. Mais non, mais c'est une vanne. Je dis rien depuis tout à l'heure, mais c'est qu'en fait, je sais pas comment réagir. Je te plante, t'es mort. Je te plante, t'es mort. Merde. Bon, bah... Je te plante, t'es le tout premier à partir. J'ai pas un autre fond. Vichy. Vichy pour les morts. Au revoir, je te plante. Premier mort, putain. Premier mort. Bon, maintenant. Attends, la grande question, c'est... Qui le remplace? On a perdu. On a perdu, je te plante. On va faire un truc très simple. C'est que je vais XP tout le monde. Et dans l'équipe, on verra qui on attrape sur la route, sur route 213. Ça, il rejoint l'équipe. S'il est bon, il rejoint l'équipe. S'il est mauvais, on verra bien. Oh putain, non! Heureusement qu'il avait pas de CS, hein. Ça m'aurait fait chier, hein, très clairement. Bon. Roger. Je compte sur toi. Quel Pokémon de zone on va avoir? J'attendais pas de s'en arriver, j'étais en mode putain de merde, ça va être un gros truc. Non. C'est un roux cool. Bon ben... voilà. Roux cool, Pokémon mine-oiseau, des types normal et vol, hauteur 0,3 m, poids 1,8 kg. Ce Pokémon docile préfère éviter le combat, toutefois il se montre très féroce quand on l'agresse. En hommage à J'te plante, nous accueillons J'te becte. Oh non, putain. Je te becte. Prudent. Le Pokémon est sujet à des variations de stats. Oh putain, ça pue. Putain, ça pue. Bon, je vais monter les autres niveaux 40, puis on verra.
Toute l'équipe est niveau 40. Sauf, bah, je te becte, bien sûr, donc. Comme j'y avais réfléchi juste avant. Bah, le souci, c'est que. Bah, je te becte, tu vas me servir à rien. Puis, en vrai. Quand on y regarde bien, Michonne sert pas à grand chose non plus, hein. Surtout qu'elle pourra plus jamais apprendre d'attaque et que bah même avec les Kaker bah ça donne rien. Ça me fait chier. Ah ça me fait chier. Après. Ah mais attends. Quand on y regarde bien. Ça me fait chier, tu vois, ces attaques. Moi, ça me fait chier parce que Balaboum, il peut être intéressant. Et en plus, il peut apprendre vol. Donc voilà, bah, j'espère que cet épisode beaucoup plus cadencé de Pokémon Platine Nuzlocke Random vous a plu. Encore désolé bah, du fait qu'il n'y avait pas eu beaucoup... Bah, il y a eu beaucoup d'attentes entre l'épisode 4 et l'épisode 5. Mais bon, que voulez-vous, c'est les aléas de la vie. Hein. Je vais pas promettre que le prochain épisode sortira bientôt. Parce que bon, ça se trouve, d'ici 4 mois, il sera toujours pas sorti, je sais pas. Après, ça dépend de si j'ai envie ou mes disponibilités. Mais en tout cas, bah, j'espère que l'épisode vous a plu. On a enfin eu un mort. Le pauvre je te plante, il a fallu que tu tombes sur lui. J'aurais dû lui donner une potion, c'est vrai. J'ai un peu été débile sur ce coup-là. Puis bon, je pensais surtout que je pouvais fuir le combat. Bon, bah ça arrive, hein. Que voulez-vous, de toute façon... De toute façon, en fait, le truc, c'est que j'XP tellement mes Pokémon que le seul moyen pour lequel, en fait, j'en ai un qui meurt, c'est soit je fasse une connerie, soit que je tombe contre un truc qui me one-shot. Pourtant, je suis assez prudent à ce niveau-là, donc... Bon... Tout ce qu'on peut espérer, c'est que Balaboum, en montant de niveau, devienne beaucoup plus fort. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite tous, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée, ça dépend du moment auquel vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous avez des conseils. Aussi, vous pensez que le mieux serait peut-être qu'on change de Pokémon, tel Pokémon de l'équipe. Genre par exemple, Michonne, mais bon, je pense que Michonne, avec Coupe et Flash, c'est quand même assez intéressant. Surtout quand on va retourner au Mont Couronné. Puis surtout, bon, pour affaiblir des Pokémon avec Dracorage, ça pourrait être utile à un moment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, mettre le pouce bleu si la vidéo vous a plu. C'était Geeky, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Ciao !